Nous avons commencé au quartier général, là où nous avons placé déjà 1600 poussins. Et au site de Lumumba, nous avons déjà placé près de 3000 poussins. On espère que dans 6 mois, nous aurons des œufs pour que nos soldats puissent consommer ce qu'ils produisent. Et le but, peut-être lointain, est de faire que, avec cette production, nous puissions nous pencher vers l'action sociale. Ici, nous sommes au site de Lombo, qui est un site militaire que nous avons acquis grâce aux instructions du chef d'état-major général des forces armées congolaises, qui avait donné instruction de ce que nous ne devons pas être des éternels locataires. Ici, nous sommes donc à Lombo, où nous avons l'ambition, et vous avez vu, nous allons produire des ports. Nous avons déjà construit 40 boxes où, dès le mois d'août, nous allons mettre des ports avec l'espoir que nous finirons par avoir suffisamment de viande pour alimenter notre troupe. À côté donc de l'élevage des porcs ici à Lombo toujours, vous avez vu, nous avons déjà des étangs. Au mois d'août, nous aurons des poissons dans ces étangs. Nous aurons notre bananeraie pour que, avec tout ce que je viens de citer, avec notre bananeraie, nous puissions peut-être pas être totalement indépendants, mais au moins que nous ne soyons pas une armée, ne soit pas totalement dépendante des caprices des commerçants. Nous voulons arriver à cela. Ce n'est qu'une projection, ce n'est qu'une intention pour l'instant. Mais vous savez que tout acte commence par l'intention.